Et salut à toutes et à tous, c'est Akatsuki, on se retrouve pour un nouvel épisode, pardon, sur Banishers, The Ghost of New Eden. Ou Ghost of the New Eden, bref, on s'en fout. Banishers, quoi. Et on était en train de se balader dans les forêts. On avait été alpagués par deux chasseurs, deux trappers. Et on avait retrouvé leur camp ici. Après qu'ils nous aient ligués, enfin, après qu'on soit tombé dans un de leurs collets, qu'on ait dû affronter des fantômes. On avait aussi pris la décision de ramener Antea à la vie. Ce qui va demander qu'on tue des gens. Et donc on tuera toute personne qu'on peut tuer pour ramener Antea. Bien sorti contre ces marches osseuses. Tu t'en es bien sorti. Ça fait bizarre de voir les morts de ce côté. Ils sont à la fois curieusement familiers, mais tellement plus affreux. Ok. En avant. Des fortifications, des têtes d'enterrement, pas un bon signe. Alors repose-toi, fais le plein de provisions, et on reprendra ensuite la route de New Eden. Bonjour, madame. Et bonjour à vous, monsieur. Je ne vous avais jamais vu. D'où venez-vous, dites-moi? Ça, c'est une longue histoire, madame. Je suis Red MacRace, le bannisseur. Edith Keane. Mademoiselle Keane, si vous préférez. Voilà, nous ne sommes plus des étrangers. Même si les temps qui courent demeurent étranges. Ah, à ce point. Oh, je suis certaine que nous nous en sortirons. Mais pour l'instant, nous sommes épuisés et affamés. Ah ah! Avez-vous quitté une famille? Vous êtes ici toute seule? Dans le Nouveau Monde, je veux dire. Pas de famille en Angleterre? Je ne suis pas mariée, si c'est la question. Et je ne souhaite pas le devenir. J'ai un terrain à cultiver et un frère à nourrir. Ça suffit. Regardez autour de vous. Qu'est-ce que je pourrais vouloir de plus? Pourquoi vouloir de la soie quand toute cette merde est à moi? Vous êtes un homme seul. Vous êtes plutôt beau, mais vous n'avez pas l'air riche. Vous savez ce que vous devriez faire? Épouser un homme avec de l'argent. Ouais, mais moi je préfère les femmes. Quoi de neuf? Excusez-moi, monsieur, j'ai pas le temps de discuter. Dieu bénira cet endroit, mais il a besoin de nous pour son œuvre. Vous comprenez? Bien sûr. Au revoir. Je dois partir. Prenez soin de vous, monsieur. Grâce à Dieu, de meilleurs jours nous attendent. Mais oui. Casse-toi, la vieille. Je peux pas aller dans cette maison. Bonjour, monsieur. Bonjour à vous. Je suis Red MacRace. Le bannisseur. Comment vous êtes arrivé ici? Par la route. Ça n'a pas été facile. Je l'admets. Je vous crois. Seuls ceux qui savent manier une arme osent aller dans les bois. Nous autres, on reste coincés ici comme des idiots, en attendant d'être nourris. Moi, c'est Daniel Keane. Un lien avec Edith? Oui, on est jumeaux. Mais on est différents. Elle adore raconter des histoires et s'écouter parler. Elle a un faible pour tout ce qui est dramatique. Et en ce moment, la vie l'est suffisamment. Pourquoi êtes-vous venu dans le Nouveau Monde? Je me demandais, qu'est-ce qui vous a amené dans le Nouveau Monde? Pourquoi ce saut dans l'inconnu? Comme beaucoup ici, on est venu en quête d'une vie meilleure. Tu parles d'une vie meilleure. Mm-hmm. Quelles sont les nouvelles? Alors, Daniel, quelles sont les nouvelles? Ne m'en voulez pas, monsieur MacRace, mais j'ai des corvées qui m'attendent. Même un pauvre fermier doit faire sa part. C'est sûr. Bon, à plus tard, Daniel. Ouais. Essayez de ne pas mourir d'ici là. Je ne mourrai jamais. J'ai un serment à tenir. Il y a des rats. Intéressant. Pour en rentrer dans cette maison, il y a un truc qui brille. Bon, avançons un petit peu. Oh!
un marchand. Et un objet caché. Nous dit-on. Pas très loin. Juste ici. Où est-il? Peut-être au-dessus. Oh oh oh! Le AK a trouvé un secret? Certainement que oui. C'est quoi par là? Ah, on repart vers, vers la forêt là, c'est ça? Si ça, si ça. Ok. Peut-être des bonus par là. Hein. On peut passer par la fenêtre? Non. Ok. Ah, ça doit être là-haut le secret. Le truc caché. Vous en êtes sorti. Et qui m'a parlé? La gosse? J'ai à vous parler. Elle? Ouais. Je veux bien te parler si tu me donnes ton fusil. T'as voulu me laisser crever. Ah bah c'était ça le truc caché. C'est verrouillé. Il doit y avoir une clé. J'ai pas la clé. J'ai pas la clé, donne-moi la clé du coffre ou je t'égorge. Vous avez fini par nous trouver, Red McCrace. Ouais, pas grâce à vous. Je voulais m'assurer que vous sauriez vous débrouiller tout seul. Vous pouvez rester jusqu'à ce qu'on vous dise de dégager. Au fait, moi c'est Kate Newsmith. Retenez bien que c'est moi qui commande par ici. Ah, la gamine. Ah, Newsmith. Un lien avec Podure? Oui, c'est ma sœur. On l'avait rencontrée en ville avec Antea. Podure ne devrait plus tarder à revenir de la chasse. Et au fait, mes condoléances. Mm-hmm. Pourquoi me dirait-on de dégager? Celui qui ne participe pas à la vie du campement dégage. Hors de question qu'on ait faim pour un parasite. C'est toujours mieux que de te tuer et de te bouffer. C'est pas faux. Je peux peut-être me rendre utile. D'accord. Je vais rester un moment. Je peux peut-être me rendre utile. Notre morale est au plus bas. Des cauchemars hantent nos rêves. Faites ce qu'il faut pour aider ceux qui ont besoin. Dans ce cas, donnez-moi des noms. Prudence Ake. Une veuve, comme tant d'autres. C'est notre cuistot. Mais depuis quelque temps, sa bouffe est infecte. Faudrait aller voir ce qui se passe. Ah. Comment ça se passe à New Eden? J'y retourne, justement. Vous êtes fou. Vous ne pourrez pas retourner là-bas. Il n'y a plus rien. Nous sommes peut-être les derniers survivants. Désormais, New Eden n'est plus que mort, désolation et pestilence. Des types de notre groupe ont voulu y retourner. On les a entendus crier dans les bois. Ils ne sont jamais revenus. On parle d'une bête meurtrière qui massacre tous ceux qui osent s'aventurer en dehors du campement. Ah. Il y avait un deuxième groupe. Ils sont jamais arrivés. Certains pensent que la bête les a tués. Comme je l'ai dit, on est peut-être les derniers survivants. Culpabilité. Peur. Il veut sauver les apparences, mais son regard ne trompe pas. Je vais faire le tour du campement. J'irai voir cette Prudence Ake et tenter de voir ce qui se passe. Si vous ne trouvez pas Prudence, demandez à Jane. Elles sont proches. Et allez aussi voir notre forgeron à l'occasion. Il n'a jamais été très doué, mais ces derniers temps, c'est encore pire. Parlez à Jane, parlez à Prudence, parlez au forgeron, parlez à tous ceux qui ont besoin d'aide, soit à peu près tout le monde. Bien, c'est noté. Il reste une cabane inoccupée. Un arbre est tombé dessus. Mais vous pouvez profiter de ce qu'il en reste. Bienvenue au Bois Sombre.
J'ai une maison. Vous avez vu beaucoup de marches osseux? Et quand vous étiez dans les bois, vous avez vu beaucoup de marcheurs osseux? Pardon? Des marches quoi? Des marcheurs osseux, des cadavres possédés, des morts qui marchent. Vous le sauriez si vous en aviez vu. Dieu merci, jamais. Et vous? Quelques-uns. Bien sûr que non. Je pose la question comme ça, par curiosité. Les marches osseux semblent attirés par nous, mais pas par eux. Est-ce que c'est toi? Ou moi? Ou nous deux? À propos du cauchemar. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez au sujet du cauchemar? Je fais de mauvais rêves, oui. Vraiment affreux. On en fait tous. Un cauchemar, c'est ce que nous, les bannisseurs, appelons la créature dans l'église. C'est une espèce de fantôme. Du genre mauvais. Parce qu'ils ne le sont pas tous. La ville était condamnée. Ma sœur le savait. Après votre mésaventure, il était temps pour nous de partir. Vos mauvais rêves. Vous pouvez m'en dire plus? C'est peut-être à cause de la faim ou de la peur. Mais on fait tous le même rêve. Une bête. Un loup, mais pas un loup. Plus grand, plus étrange. Il hurle et chasse dans l'ombre. C'est vraiment étrange, en effet. Enfin bon, ce n'est qu'un rêve. Vraiment? Hormis peau dure, ceux qui partent d'ici ne reviennent pas. Il paraît que c'est à cause de la bête. Alors on ne s'éloigne plus. Parlez-moi de cette bête. On l'a entendu hurler, mais personne ne l'a jamais vue. On a aussi entendu des cris, et ceux qui sont partis ne sont jamais revenus. On espère qu'ils ont rejoint Boston, comme on devra le faire si on ne veut pas mourir de faim. Mais nos rêves sont là pour briser nos espoirs. Il n'y a vraiment aucune issue. On peut vivre ici au bord de la famine en tentant de garder le moral tant bien que mal. Ou on peut mourir dans les bois, dévoré par une bête sauvage. On a choisi de vivre. Quelles sont les nouvelles? J'ai des questions sur le campement. Je vous écoute. Où est votre sœur? Où est votre sœur? Elle est partie patrouiller. Chasser, si elle trouve du gibier. Une news miss reste, une news miss part. Elle est partie seule? En matière de chasse, personne ne lui arrive à la cheville. Elle dit qu'on ne ferait que la ralentir. C'est longtemps que vous êtes là? Vous êtes là depuis longtemps? Ah, bonne question. Aucun d'entre nous ne le sait vraiment. Pour les uns, le temps file, pour les autres, il stagne. Sans nuit, c'est difficile de compter les jours. Et que dirait Peau dure? Elle dirait environ un mois, mais elle mentirait. On a compté les jours toutes les deux, mais on n'est pas arrivé au même résultat. Le cauchemar altère la perception du temps. Ces gens n'ont pas échappé à la malédiction. Qui pourra avoir besoin d'aide par ici? Quelque chose ne tourne pas rond à la forge. Vous devriez commencer par là. Très bien. Je vais vous laisser tranquille. Reposez-vous. Vous en aurez besoin pour le retour de ma sœur. Je viendrai vous chercher le moment venu. J'ai l'impression qu'elle m'aime bien. Allons chercher ta cabane, qu'on voit si elle t'aime tant que ça. Oh oh oh! J'ai vu le coffre. Encore des pierres de sorcière. Ils ferment leurs portes, je suis pas content. Je ne peux pas les piller. C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le coffre. Et là, on aurait un marchand ici. Ce serait lui? Red McCrace, monsieur. Votre bannisseur, pour vous servir. J'avais rencontré votre ami à New Eden. Depuis, les choses ne se sont pas améliorées, malheureusement. N'est-ce pas? En tout temps et en tout lieu, un homme a besoin d'aide. Voulez-vous jeter un œil à mon vaste assortiment d'articles pratiques et abordables? Cet endroit est inattendu pour un magasin. J'avoue que je ne m'attendais pas à trouver un magasin dans les parages. Où que les gens aillent, le commerce suit.
Les choses vont mal, mais tant qu'il y aura de l'argent à faire, tout n'est pas perdu. Vous avez transporté toutes ces marchandises avec vous, sur votre dos? Pas avec mon cœur fragile, non. Et j'ai quitté New Eden avec un cheval et un chariot. Après avoir mangé le cheval, j'ai employé mes compagnons comme porteurs. Vous avez payé? Vous avez payé des gens pour les transporter? Toute ma fortune se trouve dans ces marchandises, et mon cœur et mon dos n'ont pas la force de les porter. Eh bien, j'espère que le cheval avait bon goût. Regardez autour de vous. Les gens d'ici ont traversé l'enfer pour... ça. Mes provisions servent à rendre leur vie un peu moins difficile. Et à des prix abordables. Et d'un point de vue personnel, je trouve que même les temps les plus difficiles passent mieux avec une bourse pleine. Ça dépend quelle bourse, des fois on préfère qu'elle soit vide. Quelle nouvelle par ici? Racontez-moi. Bon, d'accord, je m'ennuie. Alors, sur le dos de qui allons-nous casser du sucre? Peau dure. J'aimerais entendre votre avis sur Peau dure, New Smith. Elle est coriace, mais elle a l'esprit affûté, pragmatique, stoïque. Elle aurait pu être une bonne marchande si elle avait su user de ses charmes. À propos de Kate? Ah merde! J'aimerais votre avis sur Kate New Smith. La sœur cadette? Je garde mes distances. Pourquoi? Nous portons tous des masques. Mais je suis doué pour voir à travers. Et derrière le masque de Kate New Smith se cache une bombe. Et elle est prête à exploser, tôt ou tard. Comment vont les choses par ici? Regardez donc autour de vous. C'est ce que je fais. Mais j'apprécierais beaucoup avoir votre point de vue. J'ai froid, j'ai faim. Ça fait des semaines que je n'ai pas dormi plus de 4 heures d'affilée. Ce camp est un trou à rats, et c'est pire à l'extérieur. Voilà mon point de vue sur la situation. Bon, est-ce que vous avez à vendre? Quelque chose à vendre? Vous trouverez votre bonheur, c'est sûr. Alors, ouais, il nous vend encore des choses comme ça. Oh! Cache mystérieuse. Ça m'intéresse, ça. Je vous souhaite une bonne journée. Une nouvelle cache avec une énigme. Très bien. Donc des bonus. Ah oui, d'accord. Ça, c'est ma maison. Ça doit être la forge. Nos maisons s'effondrent et on a besoin de clous. D'accord. Bon, là, le jeu veut que j'aille à ma maison. Donc, je vais y aller. Il y a des trucs à ramasser là-bas. Va à ta maison. Mais il y a des trucs à ramasser. Va à ta maison. D'accord. Des trucs à ramasser. Le loot est trop fort. Une maison complètement fermée. Bizarre. On peut monter à cette échelle? Non.
Ça va peut-être indiquer les lieux de repos, ça. J'ai connu pire pour dormir. Et puis, ça pue toujours moins que l'abri de Jacob Lind. L'odeur. C'était bien le cadet des soucis de Jacob Lind. La traduction officielle de la Bible chrétienne pour l'Église d'Angleterre. Très bien. Ma chère Evelyne, comme tu le sais, Alexander et moi devons rentrer chez nous. Le plan des New Smiths semblait être bon. Mais Dieu nous appelle à New Eden. Les chevaux et leurs pâturages ont disparu. Comment les pâturages ont disparu? Mais la maison tient toujours. On reconstruira tout et nous mourrons chez nous. Je t'écris pour te remercier de ta gentillesse et de ton soutien indéfectible. Surtout quand je pensais que mes poumons malades me tueraient. Ça c'est pour allumer le feu. Et voilà, on ne risque plus de mourir de froid. Enfin, moi, du moins. Est-ce qu'on se repose maintenant? Non, je pense pas. Hein. En avant. Bon, allons nous rendre utiles. Si le cauchemar est à l'œuvre par ici, ils auront besoin de nous. La forge. Kate disait que le forgeron avait peut-être besoin d'aide. Il y a des traces là. Je peux te les montrer. Finissons d'abord ici. Alors... Qu'est-ce que c'est? De l'eau salée. Je sens des pulsations. Il y a quelque chose dans le coin. Tout à moi. D'accord. Ce fantôme a l'air mauvais. Ce fantôme a l'air obnubilé. Ces clous m'ont l'air bien fragiles. Tu m'étonnes. Cette pointe est aussi plate qu'un marteau. Travailler le métal, c'est déjà pas facile. Mais avec un matériel comme ça... Pas facile de tenir un camp avec un mauvais forgeron. Il n'aurait peut-être pas envie d'acheter ses armures. Merde. Oh. Eh ben, on n'en voit pas tous les jours des comme vous. Qui êtes-vous? Red MacRace, madame. Le bannisseur. À qui ai-je l'honneur? Ah, oh, l'Écossais. J'aime bien votre tartan. Et vos manières aussi. Nelly. Nelly Eaton. Une londonienne amicale. Elle me plaît déjà. J'ai trouvé une flasque d'eau salée. Dites-moi. J'ai trouvé une flaque d'eau salée dans votre forge. Savez-vous ce qu'elle fait là? Mais... Vous êtes entré dans la forge, sans demander. La porte était ouverte. Et il y avait une flaque d'eau au sol. De l'eau salée, pour être exact. Voilà qui est bien mal poli. Mais ça ira pour cette fois. Il nous faut beaucoup d'eau pour la forge. Mais ça n'explique pas le sel. Elle pourrait être la marque d'un fantôme. Elle portait la marque d'un fantôme. Qu'en pensez-vous? Un fantôme? Tout Jésus. Je suis en danger? À vrai dire, je ne sais pas. Je mène l'enquête. J'espère que non. Quelles sont les nouvelles? Alors, quelles sont les nouvelles? Les mauvaises nouvelles vont plus vite que les bonnes. Que voulez-vous savoir? Je ne sais pas. Comment ça se passe ici? Comment ça va par ici?
On fait de notre mieux pour s'en sortir. La bête nous inquiète, c'est vrai. Mais peau dure sait quoi faire. Je suis sûre que tout ira bien. Pour vous de peau dure. Que pensez-vous de peau dure, Newsmith ? Elle n'est pas parfaite, c'est sûr, mais elle est indépendante, juste, robuste et dotée d'un fort caractère. Elle nous aime. Je le sens au fond de mon cœur, même si elle ne le montre pas. Pourquoi nous protégerait-elle de la bête autrement ? À propos de Kat. Que pouvez-vous me dire sur Kate Newsmith ? Je l'aime beaucoup. Elle est différente de sa sœur. Sensible, attentive. Quand elle parle, je l'écoute. Et t'as quoi à vendre ? Parlons affaires, Madame Eaton. D'accord, très bien. Alors, qu'est-ce qu'elle vend, Micheline ? Ok, du compo, du compo. J'ai pas 800 balles pour avoir cette armure ! 300 balles. Tête de bannisseur. Récupération de vie. C'est pour améliorer les décoctions ? Ah non, c'est d'autres décoctions, d'accord. J'irai droit au but, madame. Kate Newsmith s'inquiète pour vous et votre mari. Il est avec vous ? Fortune est partie il y a quelques heures et n'est pas rentrée. Je commence à me faire du souci. Et si la bête l'avait tué ? Vous a-t-il dit où il allait ? Podio lui a demandé de fabriquer des clous pour la palissade. Elle ne le ménage pas, et ça lui pèse beaucoup. Il est parti à la recherche de matériaux ou vous êtes disputé ? Il aurait pu partir à la recherche de matériaux. J'en doute fort. Il est exténué. Il ne dort plus. Il travaille jour et nuit. Ça n'a pas toujours été le cas. Notre venue à New Eden nous a sauvés. Ça a sauvé notre mariage. Je vais partir à sa recherche. Il n'est pas bûcheron. Il ne doit pas être bien loin. Je vous en prie, retrouvez-le. Je n'ai pas fait tout ce chemin pour le perdre ici. Non. Puis-je jeter un coup d'œil chez vous ? Oui, si ça peut vous aider. Merci beaucoup, Madame Eaton. De rien. Ça m'a fait plaisir. C'est toujours agréable de voir de nouvelles têtes par ici. Ok, donc je peux rentrer chez elle. Elle m'en a donné l'autorisation. Ouverture de porte. Est-ce qu'il y a de l'or ?4 avril 1694, j'ai trouvé un ami très cher, un homme bon qui a parfois péché, mais qui ne veut de mal à personne. Il me respecte et je le respecte. Il m'écoute attentivement et je fais de même, mais surtout il est gentil. C'est la plus belle des qualités chez un homme. Nos hommes sont connus pour leur fortune, leur conquête, alors que leur gentillesse devrait être plus importante. Je chérirai cette page car elle marque le moment où j'ai commencé la vie. Avoir la vie sous le meilleur jour. Le 2 mars. Qu'est-ce qui s'est passé ? Le 2 mars de l'an 1694 de notre Seigneur. Par la plume du plus honorable gouverneur des colonies de New Eden et des alentours, Fairfax H. Haskell, à destination de Monsieur Forge Eaton, Black Monks, Londres. Lettre de nomination. Cher Monsieur Eaton, suite à nos récents échanges, je me réfère à votre dernière lettre datée du 14 décembre, dans laquelle vous confirmez votre souhait de rejoindre la colonie de New Eden en tant que forgeron. Votre travail de qualité est reconnu à Londres comme à Boston, et vous êtes un puritain à la fois pur. J'ai donc le plaisir de vous annoncer qu'une place vous attend ici. Nous vous fournirons une petite propriété où vous pourrez établir votre affaire. Nous nous efforcerons de vous offrir tout le matériel dont vous aurez besoin, mais prenez avec vous les outils qui vous seront utiles, car ils peuvent se faire rares ici. Merci de répondre dans le mois et de réserver un billet dans les meilleurs délais. Vous trouverez 6 juin de quoi payer nos champs à labourer et nos chevaux à ferrer attendent impatiemment vos services.
Nous vous attendons avant l'hiver. À toutes les personnes concernées, je fais savoir par la présente que Fortune Eaton a été engagée par la colonie de New Eden en tant que nouveau forgeron. Très bien. Ça. Inspectons le lit. Truc qui cloche avec le lit. Tu ne veux pas utiliser un champ pour révéler le passé? Allez, champ d'écoute. Ça va être dit quand même ce qu'il faut utiliser. Reunius fatas terchimi. Non! Non! Pas à toi! Ce n'est pas un fantôme qui menace Nelly. C'est son mari. C'est comme si... comme s'il avait l'air de se retenir de la frapper. Des traces de pas. Des chaussures à semelles cloutées. Elles portent une trace spectrale. Je pense pouvoir suivre leur piste. Finissons ici. Ensuite, on verra si la piste nous mène à notre forgeron. Il y a des traces, là. Je peux te les montrer. Finissons ici. Ensuite, on verra si la piste nous mène à notre forgeron. Bonjour, Nelly. Votre présence nous honore, Monsieur McRae. Donc on ne peut pas lui demander si son mari l'a déjà frappé. Madame Eaton. Merci à vous, Monsieur McRae. Oui, on est d'accord qu'on a tout fait ici. Il me dit que je dois finir ici. Marrant ça. Il y a des traces là. Je peux te les montrer. Finissons ici. Ensuite, on verra si la piste nous mène à notre forgeron. Quelque chose devrait faire, y a-t-il un problème? Apparemment, on l'a menacé. Il y a des traces là. Je peux te les montrer. Finissons ici. Ensuite, on verra si la piste nous mène à notre forgeron. Je vois pas ce qu'il me reste à chercher ici. Très bizarre. Les Eaton, Phantom Fortune. Ah oui, il y a quelques-uns. Dans les bois sombres. Examiner la forge.
Ah là. Pas de forgeron. Et pas d'outils. Tu penses qu'il est parti avec ? En résumé, le forgeron est parti avec ses outils. Et un fantôme d'eau salée hante la forge. Allons le chercher. J'ai juste pas vu ça. D'accord. Un instant. Pratique, ça. Après toutes ces années à chasser les fantômes, imagine le temps qu'on aurait gagné. Allez, allons chercher notre forgeron. Tu m'étonnes. Truc à piller ici ? Mais oui. Alors, la traduction officielle de la Bible, ok. Un petit peu d'argent pour acheter cette nouvelle armure. Ça à rien, donc à un coffre. Juste des champignons. Peut-être un retour, hein. Moi j'aime beaucoup le jeu en tout cas, j'espère qu'il vous plaît autant qu'à moi, que vous aimez suivre cette aventure. Ce qui est bien c'est que c'est une aventure comme c'est narratif, c'est un peu comme un The Last of Us, vous pouvez faire ça un peu en, comme une série. T'en penses quoi du forgeron et de sa femme ? Fantôme de hante fortune, fortune et le fantôme. Un fantôme hante fortune, Ethan, et sa forge. Le fantôme de qui ? Bonne question. De leur enfant, peut-être ? Il était tout droit. Ouais, ok, il est dans toute la zone. D'accord. Fut un temps, je comptais des loups que j'avais tués sur les doigts d'une seconde. Ok. J'aime beaucoup la musique. Elle va très bien avec le propos. Je sens un courant d'air. Ça vient de l'invisible. Il y a quelque chose par ici. C'est caché. Très bien. Quelque chose là ? Ok. Suffit.
Mais il y a un secret là quelque part. Juste là. Je veux le secret. Ah, il est rentré dans cette maison. Le secret est encore au-dessus. Des cadavres. On devrait faire un rituel pour voir ce qu'ils cachent. Ça alors. Imarada sentus. Concentre-toi. Bah les fantômes alors. Esprit et chair, je vous appelle. D'accord, c'est un boss. Tu peux y mettre plus d'entrain ? Attention, okay. Il va le posséder. Aïe ! Arrête ! Arrête ! Je suis là. Je peux pas. Je peux pas changer de cible. Il a jamais voulu changer de cible. Saloperie. Celui-là est protégé. Je vois rien. Je vois rien. Éloigne-toi, éloigne-toi. Suis ma voix. Aïe. Attention. Ok. Ok. Oh, il m'a chargé. Laisse-moi faire. Pourquoi il y en a un qui est revenu là ? C'est pas grave. Je vais me débrouiller tout seul. Il est fort, lui. Il est très fort. Mais à un moment... J'ai pas pu combattre. Ah, il fait apparaître des ennemis, c'est ça? Je suis toujours là. Tu peux y mettre plus d'entrain? Le petit merdeux s'est endurci. Allez, reprends-toi. Prends ça, un cadeau. Allez, dégage. Montre-leur pourquoi il faut avoir peur de la sœur.
Ah, je l'ai tué ? Yes. Plus un, tous les attributs. Nice ! Pouf. Et sans me soigner. Pourquoi je me suis fait chier dessus la première fois ? Je ne sais pas. Bon, j'ai vu qu'il était allé dans cette maison. Grâce à Antea. Mais ça me ferait sauter une énigme. Allons d'abord à l'énigme. Ici, il y avait des trucs à découvrir. C'est pas un truc à ramasser, ça? De loin, j'aurais pensé que... Ok. Oh, du loot. Ça va être chaud le... apprendre le timing du gling là. Ah. Oula. Des loups. Celui-là il est costaud. Priez pour moi, Saint-Joseph. Pas aujourd'hui. Il y a quelqu'un. Sortez, vous ne craignez plus rien. Ils sont partis. J'ai tous tué. Je vous remercie. Qui que vous soyez, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Je pensais que j'allais y rester. Fortuniton, monsieur. Et je suis bien content de vous voir. Red MacRice, bannisseur. Vous étiez pas deux ? Nous l'étions, oui. Justement, je vous cherchais. Ah bon ? Et pourquoi ? Vous êtes le forgeron ? Alors c'est vous le forgeron. Comment ça se passe ? On va dire que ça va. Vous êtes occupé ? Oui, évidemment. Il y a beaucoup de constructions, ce qui veut dire qu'il faut des clous. Beaucoup de clous. Des tonnes de ces satanés clous. J'aime toujours voir un homme fier de son travail. Au revoir, Nelly. Ça se passe bien avec Nelly ? Oui. Oui. Ça va. C'est bon d'avoir une femme, un foyer. Nelly est... une femme bien. Intelligente, courageuse, généreuse, gentille. Une vraie bénédiction. Comment vous êtes-vous connu ? Comment on s'est connu ? Comment ça ? On s'est juste rencontrés, c'est tout. Il ne s'en souvient pas ? Ou il ne veut pas le dire ? Allez, monsieur Eaton, ne soyez pas timide. Un peu d'amour n'a jamais fait de mal à un homme. De l'amour ? C'est-à-dire, je l'ai aidée pour quelque chose, elle m'a aidée en retour. On est restés ensemble. On s'entraide, quoi. S'entraider, ça suffit parfois à former un couple. La romance, ça n'est pas indispensable. Je vous ai entendu prier. Je vous ai entendu prier. J'ai cru reconnaître le texte. Ah oui ? Vous êtes sûr ? Nelly a dit que c'était un fervent puritain. Ouais, ça m'a semblé plutôt catholique. C'est peut-être une coïncidence. La vérité, c'est que je suis un converti. Je l'ai fait pour Nelly. J'étais catholique. Plus par commodité que par conviction. Mais par pitié, ne le répétez pas. Je tiens à m'intégrer.
Je ne dirai rien. Ce ne sont pas mes affaires. Je ne dirai rien. Merci. Vous me sauvez une deuxième fois. Qu'est-ce que vous faites ici ? Que faites-vous ici, exactement ? Vous n'avez pas peur de la bête qui rôde ? J'avais besoin de marcher, d'air frais, de lumière. La forge est sombre et étouffante, vous voyez ? Je ne voulais inquiéter personne. Une balade en forêt, chargée comme une mule avec des outils, bien sûr. Pourquoi prendre vos outils ? Mes outils ? Pourquoi je les ai apportés ? Ah, eh bien, parce que... Parce qu'ils sont hantés. C'est tout. Excusez-moi. Je dois perdre la tête et justement, je... Justement, c'est à cause de ces maudits outils. Je me mets au travail. Et quand je lève la tête, j'ai perdu la moitié de la journée et je me retrouve ailleurs. Et ce n'est pas le pire. Quand je rentre à la forge, tout mon travail est déjà fait. Les outils sont hantés. Et je vais m'en débarrasser au fin fond de la forêt. Les outils vous ont-ils dit de tuer votre femme ? Les outils hantés vous ont dit de tuer votre femme ? Non. Oui. Peut-être. Non. Je ne lui ferai jamais aucun mal. Oui, ils m'ont dit de lui en faire. Peut-être. Peut-être. Que je l'aurais fait ? Vous pouvez nous aider ? Oui. Mais je ne garantis pas que le résultat vous plaira. Mais donc, attendez. Si je le bute, tout le camp, ils vont crever ? Rentrez au camp. Quand j'aurai terminé, je vous rejoindrai. D'accord, monsieur. Aucun problème. Merci, bannisseur. Je... Merci. Ok. Mais il nous en reste deux. Il nous en reste un sur lui, trois sur le fantôme et deux sur Nelly. Ouais, ça va peut-être être plus compliqué que ce qu'on croit. Hein. Des mots du passé subsistent ici. Voyons voir où nous mène la porte de derrière. Bah... Derrière. Les traces spectrales, menant au cœur de la forêt. Prends les outils. On a une piste à suivre. Révélio. À moi ! Tout à moi. Le fantôme revendique la forge et tout ce qu'elle contient. Le marteau de l'écho n'est pas dans la boîte à outils. Je te parie que la trace va nous y mener. Très bien. Suivons les traces. Fortune, le forgeron s'est aventuré au cœur de cette forêt menaçante. Les personnes hantées font des choses étranges. Le fantôme voulait peut-être sa mort. Ok. Parle. On pourra visiter tout ça après et tout looter. Ça vient de l'invisible. Il y a des loups. Je peux t'aider. Oh!
quelque chose par ici. C'est caché. Ok. Là-haut ? Ah. Je suis prête quand tu veux. Les spectres se sont rassemblés. Tu ne peux pas les forcer à se manifester. Ah ah ! Encore un combat d'élite. C'est quoi ça ? Oui, c'est ça, ça doit vraiment dire les feux de camp. Ça fera l'affaire si jamais j'ai besoin de faire une pause. Très bien. Ok. On dirait... Oui, on dirait une carte au trésor. Toutes les cartes ne mènent pas forcément à un trésor. Si. Ouais, si c'était le cas ici. Très bien. Dans ce cas, allons chercher ce trésor qui nous attend patiemment. Okay, on peut allumer le feu, là, je vais pas me reposer. Quoique, je pourrais peut-être améliorer mon équipement, pas con. On n'est pas obligé de se reposer pour améliorer notre équipement, c'est ça qui est bien. Que j'ai toute ma vie et tout. Bon, nous on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Lors du prochain épisode, on finira la quête du forgeron et surtout, on affrontera l'ennemi d'élite. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente continuation. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.